Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, ici Sofiane de la chaîne Retro RPG. Bon, aujourd'hui je me suis déplacé chez un ami à moi, il s'appelle Mario, je suis revenu dans ma ville natale pour vous présenter un jeu, et pas n'importe lequel, c'est Triangle Stratégie. Alors aujourd'hui on va faire l'unboxing, je vais laisser Mario se présenter. Oui, et bonjour, donc Mario, voilà, ami de longue date de Sofiane, on partage un peu la même passion, lui et moi, alors pas sur tous les sujets. Mais on peut se rejoindre en tout cas sur la passion des RPG, et plus particulièrement des RPG tactiques. Enfin, surtout moi, hein. Sofiane, peut-être un peu moins. Ouais, les RPG tactiques, j'aime, mais sans plus, quoi. C'est pas non plus. Alors que moi, c'est une véritable passion qui me fait vibrer, et c'est la raison de notre sujet d'aujourd'hui. Donc, Triangle, alors je vais le dire à l'anglais, c'est plus classe. Triangle Strategy, et pas Triangle Strategy, parce que ça fait un peu la franchouillarde. Un peu bizarre. Ouais, bon, on en prend sur les États-Unis là. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Bon, alors, édition collector, donc de Triangle Strategy. Je vais vous donner mon avis tout à l'heure par rapport à cette édition, parce que bon, je ne l'ai pas encore déballé. Mais on a quand même un petit aperçu de ce que ça contient à l'intérieur. Et bon, voilà, petite déception, hein, mais ça, c'est une habitude chez Nintendo et leur édition collector. Bon, là, c'est pas Nintendo, c'est Square Enix. Mais vous voyez, voilà, c'est une exclusivité donc Nintendo Switch. Voilà, donc Sofiane. Juste un truc, je veux savoir. Alors, le jeu, il est en rupture de stock actuellement ou pas? Il n'est pas encore en rupture de stock. Aux dernières nouvelles, ce matin, j'ai regardé. Alors, quand je dis ce matin, on est dimanche 6 mars. 2022. 2022, donc dimanche 6 mars 2022, il était encore disponible à la Fnac et Amazon au prix de 110 euros. Ça écorche un peu. Ça, c'est ce que tu as payé, 110 euros? 110 euros, c'est ce que j'ai payé, exactement. Parce que la Fnac le vend à 110 euros, mais en fait, son vrai prix est de 99 euros. Bon, on va pas chipoter pour 10 euros, mais voilà, les grandes enseignes se font une marge quand même là-dessus. Voilà. 110 euros, c'est un peu cher pour le contenu, je vous en dirai plus tout à l'heure. En plus, là, 110 euros, bon, on va dire, c'est vrai que c'est un peu cher, mais. Mais d'ici quelques mois, quand il y aura un pub, il y aura tous les requins qui vont le vendre à 3-4 fois le prix, à mon avis. Ouais. Donc là. Effectivement, si ce jeu vous fait de l'œil, si vous êtes passé par les Final Fantasy Tactics Advance, si pour vous, Final Fantasy Tactics sur PlayStation, c'est votre enfance, et que vous aimez les jeux de stratégie, et que vous aimez Square Enix, penchez-vous sur la question, parce qu'effectivement, les prix risquent de doubler, voire de tripler. Ok, bah, de toute façon, on va passer en mode Call of Duty. Bon, je vois que quand on regarde l'épaisseur, tu... Ça veut dire quoi, Call of Duty? C'est quoi ce délire? C'est que tu passes en mode FPS, tu m'as demandé. Ah ouais, ah bah ça, c'est quoi? On va dire, non, on passe en mode Turok. Turok ou Golden Knight 64, c'est peut-être mieux. On va passer en mode Turok ou Golden Knight 64. C'est juste en passant, j'ai une parenthèse, pas trop mes délires de jeu, ça, mais bon. Je laisse Sofiane, à mon avis, c'est devenu un nouveau converti de Call of Duty. Call of Duty, non, je joue pas spécialement, mais bon, c'est pour parler du fait qu'on va l'unboxer, mais en mode... FPS, oui. Ouais, bon. Je pense qu'ils ont compris, je pense. Il n'y a pas de débat. Mais en tout cas, il me paraît un peu mec. Bon, de toute façon, on va voir ça. On va voir ça tout de suite. Bon, à tout de suite. Bon, nous revoilà. On passe sur la présentation du jeu Triangle Strategy. Donc, la version anglaise, mais version anglaise du Bled. Mais c'est pas grave. Donc, là, on voit le coffret collector. Ce qu'il comporte. Bon, ça fait vraiment sur le côté un petit peu, on dirait un petit peu un livre sur le côté. Ouais, c'est ça. On dirait un grimoire à l'ancienne. Ouais. Un grimoire de magie. Le dessin en façade, bon, ça va être pas trop mal, ça va être beau. Bah, moi, c'est ce que je pensais, c'est qu'ils ont fait un dessin à la main, tu vois, dans un papier un peu à l'ancienne. Souvent, dans les jeux, des fois, on retrouve un peu des présentations des personnages en 3D. Bon, j'ai toujours trouvé ça moche. Là, franchement, c'est fait à la main, j'ai l'impression que c'est dessiné au crayon, je trouve ça très beau. On va commencer peut-être, je pense, à l'ouvrir. Donc, si t'en penses, peut-être voir un peu ce qu'il y a derrière, peut-être. Voir peut-être un peu ce qu'il y a derrière. Donc, bon, on voit qu'il y a quelques images du jeu. Bon, ce qui est classique, hein, tout à fait classique. Ouais, on voit ce que le coffret contient. Un petit steelbook, un jeu de cartes et des dés. J'étais en train de m'interroger tout à l'heure, c'est des dés, hein, c'est ça? Ouais, c'est des dés avec des chiffres romains. Bon, je sais pas pourquoi ils ont pas pris les chiffres arabes, ça aurait été mieux, mais... Bon, je pense que, voilà, pour vous dire la vérité, moi, j'ai fait que 3 heures de jeu, parce qu'il y a une démo qui est gratuite, hein, elle est disponible en téléchargement. Pour vous faire une petite idée, il y a les 3 premiers chapitres accessibles sur le Nintendo Store, je crois. Sur le Nintendo Store, oui. Et j'ai une petite idée de ce que présente le jeu en termes de scénario, de qualité d'écriture. Mais la présence des dés, je ne peux pas vous dire pourquoi. Moi, je ne suis pas assez avancé dans le jeu, donc bon. Bon, on voit qu'en tout cas, devant ou bien même derrière, on voit qu'en tout cas, le jeu est interdit au moins de 12 ans. On voit que c'est pas mettre aussi à main d'enfant.
C'est dangereux. Ça, c'est vrai, j'ai pas fait gaffe à ça. C'est peut-être à cause des dés, non ? Ils ont peur qu'ils les aient travaillés. Ouais, même qu'ils mangent les cartes, ou je sais pas, bon, ce qui serait peut-être normal. Bon, on va passer à la petite présentation, petit unboxing. Ouais, petit unboxing qui va être assez rapide. Hein. Qui est assez rapide. Bon, de base, Mario, il a reçu le collector comme ça, il était pas blisté. Très étrange, effectivement. Quand je l'ai reçu, il était dans un sac en plastique. Bon, ça m'a un petit peu inquiété. Je me suis dit peut-être que c'était un retour, quelqu'un qui s'est fait rembourser et du coup ils m'ont refilé une version qui a été déblistée. Mais au final, non, c'est normal. Le jeu est vendu déblisté. Voilà. Ok, bon, on passe au unboxing. On va vous présenter ça dans une belle table de fleurs. Mario est fan de horticulture et autres, donc c'est normal. Il cultive tout un tas de plantes. On pensera à mettre une serviette la prochaine fois ou un truc plus. Non, mais c'est bien comme ça. Moi, j'aime bien les fleurs. Je les aime bien en faux, mais j'aime pas vraiment en vrai, mais bon. C'est mieux des fausses fleurs. Bon, en tout cas, qui a été du carton. Petite déception, voilà, pour être tout à fait transparent, Sofiane, je sais pas ce que t'en penses. Bah, franchement, ça fait vraiment très cheap. Hein. Franchement, j'ai l'impression que même les cartes modes, les fausses cartes modes de console Super Nintendo, autres, le carton est beaucoup mieux. Là, c'est pas. Ouais, ouais, honnêtement, là, vous pouvez pas le voir, mais au toucher, ça a l'air vraiment d'être une feuille. Donc, bon, à mon avis, il faut vraiment prendre soin, essayer de le plastifier. Ou... Ah ouais, mais il faut qu'il finisse en polybag. Hein. Je pense pas qu'il tiendra dans le temps. Ouais, faut le protéger parce que ça tiendra pas dans le temps. Bon, regarde, déjà, je crois qu'il s'est pris des petits chocs. Je sais pas si vous voyez. Et les petits chocs ici, enfin, je sais pas si vous verrez sur la caméra. Je pense que vous verrez pas trop, mais il y a des petits chocs ici. Ouais. La fragilité ici aussi. Ouais. Donc, mais bon. C'est joli, c'est très beau, mais qualité, on a peur que ça se détériore dans le temps. Quoi. Ouais. Bon, après, bon, ça reste une couverture. Voilà quoi. Bon, ils ont pu faire un effort quand même. Donc ça, c'est ce qui couvre la boîte. Maintenant, la boîte en elle-même. Book qui m'a l'air quand même beaucoup plus solide. C'est vraiment très grimoire. Hein. Ça fait très grimoire de magie. Ah ouais. Ou d'invocation. Et pour l'ouvrir sans l'abîmer, ça va être un grand mystère. C'est ce qui démontre qu'on ne s'est pas du tout préparé dans la vidéo. on l'ouvre en direct. Hein. Sofiane, on l'ouvre comment ? Là, je sais pas. Moi, si je l'ouvre, tu mets une option comme quoi si je l'ouvre, c'est pas grave. Hein. Non, c'est bon, j'ai trouvé. En fait, il est un peu aimanté, regarde. Ah ouais, il est aimanté, ouais. Ouais. Aimanté. Je sais pas si on voit bien. On sort pas du cadre. Okay. Et voilà l'ouverture du jeu. Qu'est-ce qu'il y a de beau ? Waouh, franchement, je trouve qu'il est vraiment très beau. Hein. Franchement. Alors là, le steelbook, moi, il me met par terre. Hein. Il claque. Ah, il m'a mis par terre le steelbook. Si on voit bien. Je sais pas si dans la vidéo ça rend bien, mais là, visuellement, c'est vraiment impressionnant. Très, très joli. Avec la petite balance hein, qui représente les choix qu'on va devoir rencontrer dans le jeu. Parce que le jeu, voilà, à chaque chapitre, nous soumet à des choix cornéliens hein, qui auront des impacts sur la suite du scénario. On ouvre pour voir ce que ça donne. Ah ouais, même à l'intérieur, ah oui, c'est classe. Hein. Même à l'intérieur, hein, je ne sais pas si on voit bien, mais on voit avec l'éclairage. On voit des espèces de personnages en pixels. Ça fait un petit effet un peu rétro. C'est la chaîne de Sofiane, Retro Gaming, ouais, Retro c'est... RPG. Donc voilà. Tiens. Franchement, je vais toucher. Ah ouais. Bon, après, c'est un steelbook classique. Une table de qualité, c'est comme tout steelbook métal et autres. Mm. Mais sinon, franchement, c'est vraiment très sympa. Les dessins qu'il y a dessus, aussi bien devant que dedans. Ouais, j'avoue que franchement, bon point sur le steelbook. Ah, franchement, ouais. Rien à dire. Franchement, ouais, il est qualitatif. Donc là, c'est écrit aussi Triangle Strategy sur le côté. Ah, tu fais bien de le dire parce qu'il y a des steelbooks, des fois, ils mettent pas les. Ça ah, l'a fait pas pour Horizon. Dans le collector de Horizon, il y a pas le. Ils ont pas mis que c'est Horizon dans le steelbook. Ah ouais, c'est dommage. Ouais. Donc, là, c'est. Ouais, parce qu'on est sur du Square Enix, hein. Forcément, c'est qualitatif. Bah, c'est aussi qualitatif chez PlayStation Studios, Sofiane, voyons. Ouais, c'est pas faux. Ouais. Ça dépend des fois quand même. Tiens, je mets ça ici. Ok. Et bah, la boîte un peu plus classique. Alors, on dit que c'est une boîte. Je dis que c'est une boîte classique, mais en fait, elle est vraiment belle aussi, je trouve. Franchement, elle est super jolie. Ouais. Elle est classe. La jaquette est vraiment claque. Elle est classe, elle est très minimaliste. Dessin, on dirait que c'est fait au pinceau. C'est une peinture, quoi. Vraiment très stylé. Bon. J'ose pas encore l'ouvrir, hein. On verra. On l'ouvre dans cette vidéo ou je. Ouais, bah si, on peut peut-être. Tu veux qu'on l'ouvre ? Vas-y, on l'ouvre. Tu vas y jouer. De toute façon, ça rentrera dans la Switch tout de suite après. Ouais. Que je joue maintenant ou après. Allez, c'est parti. J'ai l'impression de déshabiller une femme. Ah ouais, c'est. Peut-être pas à ce moment-là quand même, mais.
On va voir ce que ça donne. Franchement, moi, ce que je trouve quand même dommage, c'est leur vieille notice chez Nintendo, sur les nouvelles consoles Nintendo, PlayStation et tout. Les vieilles notices, franchement, on sait très bien, entre nous, que ça crée des crises d'épilepsie, mais ça, on s'en fout complètement. Non, mais franchement, ça, je suis d'accord avec toi. Je sais pas à quelle année il y a eu un avant et un après, mais avant, on avait des notices. Sur PlayStation, on avait des notices. Sur PlayStation 2, je crois aussi, il y avait PlayStation 3, jusqu'à PlayStation 3. Après PlayStation 3, c'est là où tout le monde est parti en sucette. C'est là où l'industrie de jeux vidéo a basculé. Je sais pas. Ils ont basculé, ils se sont dit qu'ils allaient économiser un petit peu d'argent, c'est ça? Ouais, je pense qu'ils doivent se dire, un euro par-ci, un euro par-là, bah, ça fait mille, des millions, des milliers, des milliards d'euros. Enfin, c'est peut-être pour ça qu'ils sont... Franchement, c'est dommage, parce que voilà, on a une très belle boîte, magnifique. C'est peint à la main, c'est joli. T'ouvres, même l'intérieur est beau, hein. Je veux dire, ça reste classe. Mais une vraie notice avec une présentation des personnages, je me souviens à l'époque, c'était dans les vieilles boîtes de Final Fantasy 7, 8, 9, il y avait des notices où ils présentaient les personnages. Je me souviens, ils disaient l'âge, le poids de Tifa, la taille, d'où elle vient. Il y avait même des dessins, enfin, il y avait des conseils. Là, rien. Voilà, c'est fini. Donne le jeu, c'est fini. On te donne le jeu et puis c'est plus basta. Et c'est vraiment dommage pour les gens qui collectionnent le jeu. Ouais, c'est... Bon, après, de toute façon, je pense que plus les années passeront, plus on aura de moins en moins de boîtes et tout passera en dématérialisé, donc... C'est pour ça qu'ils font profiter. C'est la nouvelle ère, là. Ouais. Bon, là, vous voyez la cartouche, hein, on n'apprend rien de spécial, il y a juste, voilà, comme les cartouches Switch. Apparemment, elles ont des goûts un peu spécifiques, si tu as lèches, apparemment, elles sont prévues, elles ont un goût un peu... Ouais, je sais pas si... Sofiane, ne me tente pas. Oui, je viens de goûter, hein, vous ne l'avez peut-être pas vu, mais il y a un goût acide et très amer. Limite, ça me donne envie de vomir, mais c'est fait exprès, c'est pour éviter que les gamins l'avalent. Ah oui, ok. Parce que voilà, c'est tellement petit, ça, à mon avis, tu l'avales, t'es foutu. Bon, voilà. Donc voilà, pour le jeu. Après, qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est quoi, ça? Ah, ça a l'air d'être un poster. Oh, bon, ouais. Pourquoi pas? Je sais pas si vous voyez bien la vidéo. Ouais, c'est bien cadré. Donc, ok, poster qui représente la boîte du jeu. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a peut-être un truc derrière. Ouf, ça c'est mignon, ça. Ah, ça c'est pas mal, ça. Ça c'est pas mal, ça. Là, on est dans la thématique de ta chaîne, Sofiane. Ouais, c'est vraiment très rétro, là. Alors, je sais pas si vous pouvez bien voir ou non, mais je vais essayer de le rapprocher le plus possible. Moi, je suis fan du pixel art. Ça dégage un charme de fou. Je sais pas si ça doit être les personnages qu'on rencontre dans le jeu ou qui nous accompagnent, à mon avis, tout ça. Ah oui, je pense que c'est vraiment à la fin du jeu. On m'a dit que le jeu faisait à peu près 30 heures, 40 heures. À la fin du jeu, tu dois te retrouver avec une équipe comme ça, je pense. Voilà. Ah, franchement, c'est qu'il faut gérer. Sympa. Alors, tu peux pas mettre tout le monde sur le terrain. Mais oui, je trouve ça vraiment bien. Alors, par contre, où l'accrocher, qu'en faire, je n'en sais rien. Je pense que ça va rester dans la boîte. Mais ouais, c'est peut-être mieux parce qu'il accrocher ça à sa chambre. Ouais. Oui, le risque de l'abîmer. Ah oui. Celle-là. Hop. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, Sofiane? Bon, il y a quoi? On ouvre ça? Ouais. Ça, à mon avis, vu ce qu'on a vu derrière, ça doit être les dés. Je pense, on a tout l'air. Dans une jolie petite pochette en coton. Alors, voilà, on va ouvrir. Ah, il n'est pas évident d'ouvrir. Donc, bien cellophané. Enfin, bien protégé, bien fermé. Ah oui. Oh non, ils les ont isolés. Ouais, ils ont... Ah, on croirait que c'est les cellophones que tu achètes chez Carrefour. Ah, tiens, il y en a qui est tombé. On croirait que c'est les cellophones que tu achètes chez Carrefour. Les aléas du direct. Hop. Voilà, alors les petits dés. On va en ouvrir un ou deux pour voir la qualité. Franchement, les gars, je les trouve super lourds. Ça se voit qu'ils sont qualitatifs. Franchement, ils sont tout en métal, j'ai l'impression. Ah, c'est du métal, quoi. Ah, c'est du métal. Ah, franchement, c'est du métal ou de l'acier, je sais pas c'est quoi. C'est de l'acier, du métal ou du plomb, j'avoue, c'est à toi de me le dire, tu t'y connais mieux. Ah, je sais pas, va falloir que je goûte moi aussi, quoi. Alors... Ah, c'est super lourd. Ouais. Alors, pour voir la vraie qualité, mais je pense que Mario ne testera pas, c'est de les mettre dans l'eau et voir si ça rouille. On verra si... Je vais peut-être éviter. Hein. Ouais. Peut-être éviter, mais je ne sais pas si elles sont faites de la même matière. Si. D'ailleurs, je me demande à quoi servent les dés. Tu peux faire une partie d'un truc ou quelque chose comme ça. Il y a peut-être un jeu... J'en saurai plus tard. Je pense qu'on fera peut-être une vidéo pour faire un débriefing sur le jeu. Ouais, je pense qu'on fera une vidéo. Pour donner notre avis. Ouais, on pourra vous expliquer l'origine et la signification de la présence de ces dés. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit le chiffre 1, romain.
on voit le chiffre 2, 3, 4. 4, et d'ailleurs, c'est ça, ça s'arrête à 5, mais il n'y a pas le 6, et puis il y a toujours des symboles alors, à la place du 6. Là, il y a le symbole de la balance, ouais, c'est... flèche. Ça, je ne sais pas c'est quoi, c'est une jarre quoi, ouais, crois. Ça a l'air d'être une jarre. Ça, je sais pas, ça doit être une étoile, on dirait, je sais étoile, pas c'est quoi. Ouais. Je sais pas, non, c'est pas une étoile. Ça, c'est... Ah, par contre, je trouve vachement plus... Mais ça, c'est assez récurrent. J'ai remarqué, quand j'ouvrais les collecteurs, il y a pas mal de choses de visuels qu'on ne comprend pas. Et une fois que tu arrives à un certain nombre de jeux, tout s'éclaire. Bah ouais, c'est... Je pense que ça, c'est le genre de symbolique. Après 20 heures de jeu, tu comprends ce que ça veut dire tout de suite. Bon, pour l'instant, ça ne me donne rien. Je vous montre qu'est-ce que ça reflète. Voilà, donc je pense que c'est bon, on voit plutôt bien. Ouais. C'est original, franchement c'est original. Mais comme d'habitude, hein, à mon avis, ça va pas finir exposé sur une étagère, parce que déjà on les voit pas assez, c'est trop petit. Donc ça finira dans la boîte. On va laisser ça ici, vous ouais. Présenter après. On va retirer les cellophane Made in Leader Price. Qu'est-ce qu'il reste d'autre dans cette fameuse boîte? Bon, je te laisse ouvrir. Ouais. Bon. Je pense qu'il n'est pas sans savoir, au vu de la forme, ce que ça doit être derrière. Bon petit jeu de cartes, quoi. On va essayer de l'ouvrir proprement, Sofiane. Je crains de l'abîmer. Ah, ça doit être pour ça, à mon avis. Les jeux de cartes plus les dés, ça nous permet de faire une partie de quelque chose. Bon, moi, je ne suis pas trop jeu de société. Je ne sais pas si on fera une partie un jour. Ah, j'ai pris un risque. Hein. Là, j'ai enfoncé les angles pour l'ouvrir. Hein. Bon, ça va. Ça va être correct. Ça va, je ne l'ai pas abîmé. Ouh. Ah ouais. Alors, mon étonnement vient de la qualité de la carte. Hein. C'est du papyrus, limite, on dirait. Bah franchement. Alors, tu vois, Sofiane, touche. Ah ouais, on sent derrière le... Tu sens la granularité derrière. Ah ouais, tu sens bien. Hein. Limite, je sens le coup de peinture du personnage, là. On va l'ouvrir, on va en avoir le cœur net. Mais là, je pense qu'ils ont mis le paquet, à mon avis, en termes de qualité. Ah, ça va, ça s'ouvre facilement. Je l'ouvre un peu en mode brutal. Hein. Je suis... Ouais, là, niveau qualité, Sofiane, je vais te laisser juger. Alors, voir. Je te laisse faire une présentation, peut-être pas de toutes les cartes, mais quelques-unes. Ah ouais, franchement, on sent que là, il y a de la qualité. Là, les cartes, elles ont été travaillées. Ouais. Franchement, elles ont... Là, c'est pas un papier de chez Wish, c'est sûr. Là, c'est... Et même les personnages, t'as vu comment ils sont bien designés? C'est super travaillé. Regarde celui-là, il me rappelle vraiment l'époque de Final Fantasy Tactics Advance, un petit peu. Ah ouais, un petit peu, ouais. J'ai l'impression, je me demande si c'est pas le même dessinateur. Bon, je me renseignerai. Faudrait voir, ouais. Mais franchement, c'est très qualitatif. Ah, le Joker. C'est ça que cherchait les Jokers. L'As, le Joker, la Reine, le Roi, et encore l'As. Franchement. Et il y a autant de cartes que de nouveaux personnages? Il n'y a pas des doublons ou des triplés? J'ai l'impression que c'est toujours des nouveaux personnages. Ah, c'est des nouveaux personnages à chaque fois. J'ai l'impression, ouais. Lui, c'est le héros. Ah, c'est le héros, ouais. Donc, ouais. C'est l'As. Ouais, l'As, effectivement. Franchement. Très bon design. Hein. Moi, j'aime beaucoup le style du dessin. Elles sont vraiment très, très bien réussies. Puis, désolé d'être un peu. Voilà, au risque d'être un peu lourd, mais la qualité, elle est vraiment top. Là, c'est pas une feuille. Hein. Franchement, les gars, vous pouvez pas toucher, mais franchement, quand on sent la qualité, là. Il y a quoi derrière quand tu les retournes? Il y a ça. Ah, d'accord, c'est le logo du jeu. Ouais. Okay. Donc, franchement, c'est vraiment pas mal. Tout est beau, tout est bien fait. Elles sont très très belles, franchement. Ça donne limite envie, tu sais, de le mettre dans un tableau et de les empiler. Enfin, tu sais, tu les colles dans un gros tableau comme ça, tu les colles à la suite et tu les empiles. Et tu les accroches. Ah ouais. Ça fera un beau résultat. Ah, ici, il y a une petite carte de... Authenticité Square Enix. Ouais, je sais pas si c'est l'authenticité ou c'est peut-être... Non, c'est peut-être les avertissements comme quoi ça convient pas à des jeunes, des enfants et autres. Mmh. Donc, franchement... Ah, pas mal cette idée d'avoir mis ces cartes-là. Franchement, les gars, voilà. Alors, voilà tout ce que le coffret collector représente. Alors, les cartes. Voilà, je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Alors, ouais, il y a le jeu comme ça. Mmh. Voilà tout ce que vous recevez quand vous recevez le coffret collector. Par contre, ça, ce papier-là, j'ai l'impression que c'est un peu plus... ouais, c'est pas ouf, celui-là. Celui-là, il n'est pas ouf à l'intérieur. Il n'est pas ouf, mais l'extérieur est bien solide. Plus solide, en tout cas, que, ouais, c'est sûr que la couverture. Plus... Bon, il y a du pour et du contre dans ce... Je vais donner mon avis, tu me diras ce que tu en penses. Vas-y. Il y a du pour et du contre.
dans le contre, la fragilité de la couverture, je trouve que franchement, pour 110€, ils auraient pu peut-être cartonner un peu plus cette couverture-là. Moi, ça me fait un petit peu peur. Je pense qu'au bout de 10 ans, si je ne fais pas attention, il risque d'avoir des dégâts. Là, ouais, je pense que... pareil pour 110€. Alors, je vais peut-être pas réclamer une figurine, mais par contre, j'aurais été capable de payer plus cher s'il y avait une figurine. Des figurines, c'est en voie de disparition sur Nintendo Switch. J'ai l'impression que tous les collectors que Nintendo sort ou que Square Enix sort ou peu importe l'éditeur, bah, y a pas de figurines parce que je pense que Nintendo essaye de nous vendre leur Amiibo et qu'ils veulent pas qu'il y ait de concurrence à leur Amiibo. Moi, je pense que c'est ma théorie. Ils disent on veut pas de vente de figurines dans les collecteurs parce qu'on veut que les gens achètent des Amiibo. Moi, je pense que c'est pour ça qu'ils le font. C'est vrai que c'est quelque chose, c'est une question qui se travaille parce qu'on voit rarement des figurines dans tout ce qui est collecteur Nintendo. Ouais. Surtout le reste, on voit des figurines. Alors certes, c'est vrai que les collecteurs Nintendo coûtent peut-être un peu moins cher que d'autres collecteurs d'autres plateformes de jeux vidéo. Mais c'est vrai que généralement, la petite figurine dans un collecteur, elle fait plaisir. Elle fait plaisir. La dernière, si je suis peut-être un peu mauvaise langue, Monster Hunter Rise, ils ont vendu, c'était même pas une figurine, c'était un amiibo. Ils ont mis un amiibo à l'intérieur. Mais bon, c'était pas, voilà, c'est pas une figurine qui est dédiée au jeu. Mais bon, c'est dommage. Voilà, c'est comme ça, on peut pas faire autrement. Donc ça fait partie des contres. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui va pas dans ce collector À la base, j'avais envie de vous dire que ça faisait un peu gadget, mais finalement, pas tant que ça. Moi, quand je le touche, quand je pèse, on voit que c'est qualitatif, ça pèse très lourd. Franchement, vraiment, c'est lourd. Franchement, les gars, ça doit peser. Franchement, je pense un petit 200 grammes un seul. Hein. Ouais. Facile 200 grammes un seul. Facile 200 grammes un seul. Et ça, on voit que c'est pas de la blague. Ils nous ont pas donné du mastoc. Ça, c'est pas du plastique. Ah non, ça c'est un matériau, c'est de l'acier plein ou quelque chose comme ça, mais c'est bien, on sent bien que c'est bien lourd. On sent que c'est bien lourd. Je me dis que ça allait retourner dans la boîte, mais je crois que je vais les entreposer quand même. On verra. Bon. Ouais, après, il faut trouver. Bon. Autre plus, et là, t'es d'accord avec moi, Sofiane, franchement. Le steelbook. Ah non, il est magnifique. Le steelbook, je le rouvre encore, regardez bien, mais moi, la présentation des personnages en pixel art comme ça, c'est magnifique. Toute beauté. Ah, c'est vraiment très très beau. Franchement, ce steelbook, il est vraiment très très beau. Ouais. Le poster, il est vraiment très beau aussi. Poster très beau, à encadrer, je pense. Ouais, encadré ou... Encadré, mais les pliures, moi, ça me saoule un peu. Enfin, c'est dommage. Après, le problème, c'est si tu encadres, il faut l'encadrer, bien le protéger et tout. Ouais. Après, des fois, il faut peut-être mieux le garder dans sa boîte, histoire d'avoir ta version collector complète. À réfléchir, effectivement. Et les cartes, franchement, Le set des cartes, très bonne qualité aussi. À l'image hein, des dés qu'on vient de toucher à l'instant, les cartes, c'est pareil. Je vais essayer de le rapprocher le plus possible. Avec le relief, vous allez peut-être comprendre, mais vraiment, il y a un côté papyrus. Voilà, c'est pas une feuille. Hein. C'est pas des cartes classiques. Et quand on touche, j'ai l'impression vraiment que le coup de peinture existe. On ressent le coup de peinture. Bon. Là, ils ont mis les moyens. Alors. Là, ils ont mis les moyens. Ils ont mis les moyens. Bon, en tout cas... Petit collector moyen bien. Voilà. Bien. Moi, bon petit collecteur. C'est pas un truc de fou, mais ça va. Le petit truc que je regrette de mon côté, bon, c'est peut-être la figurine, comme Mario l'a dit. Il y a un second truc que je regrette. Mmh. Franchement, bon, c'est peut-être parce que j'ai ce côté rétro et nostalgie. C'est que moi, franchement, un collecteur sans notice. La notice, je suis d'accord avec toi. La notice, c'est abusé, franchement. Hey, les gars, il faut faire des notices Square Enix. Hey, Nintendo, si tu nous entends, évidemment, je pense que tu vas pas nous entendre parce que toi, le temps que t'entends des. Hein, on te connaît, Nintendo, t'es très conservateur et. Tu mets 10 ans à comprendre ce que veulent les joueurs, mais c'est pas grave, on va quand même te le dire. S'il te plaît, mets-nous des notices. Merci. Au moins dans les versions collector. Au moins dans les versions. Parce que franchement, le petit avertissement sur les crises d'épilepsie, bon, ça c'est. Tu peux le retirer et mettre une notice à la place, on s'en fout un petit peu. Hein, donc voilà. Voilà. Bon, bah, je pense que légalement, ils sont obligés de le mettre, mais en tout cas, voilà. Bon. Bon. C'est tout pour cette prestation de collector. J'espère qu'elle vous a plu. On a d'autres prestations à vous faire. Mario a rentré des très très beaux collecteurs qu'on va vous présenter. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker si la vidéo vous a plu. Ne pas oublier de liker. Très important. À activer les cloches de notification. Bon, merci, bonne journée, bonne soirée, à bientôt. À bientôt.